En 2021, on fête les 100 ans de la radio, on fête les 40 ans de la libération des ondes et le lancement de la radio numérique DAB+ partout en France. C'est la fête de toutes les radios, musicales, généralistes, d'information. Émissions spéciales, ateliers, journées portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Bonjour. Pour ce rendez-vous culture du mois de mai, nous, en, nous sommes très heureux d'accueillir Camille, qui est libraire à la librairie des Signes. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de You People de Nikita Lalouani, Au Rouge de Jourika. La vie ordinaire d'Adèle Von Ries. Ensuite, nous parlerons de The Return, en retrouvailles en version française de Nicolas Sparks. Amnet » de Maggie O'Farrell, Les Mafieuses de Pascal Dietrich, puis la trilogie islandaise de John Kalman Stephenson. Et si nous avons encore du temps, nous parlerons du film Adam de Mariam Touzani. Mais tout de suite, nous laissons la parole à Amy. Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler aujourd'hui donc de, entre autres de You People, donc de Nikita Lalwani. Donc l'histoire se déroule à Londres en 2003 et s'articule autour de Nia et Shan, respectivement serveuse et cuisinière sri lankais dans une pizzeria le Vesuvio, mais pas n'importe laquelle. Puisqu'il s'agit d'une pizzeria où plus de la moitié des employés sont des immigrés illégaux. En effet, le propriétaire du Vesuvio, Tully, est un personnage énigmatique qui emploie et aide des immigrés illégaux, mais personne ne connaît ses réelles motivations et d'où provient sa fortune. Nia est quant à elle une jeune femme galloise de 19 ans, hantée par les souvenirs de son passé et qui fuit volontairement sa famille. Quant à Chan, il a fui la guerre civile non par choix mais par nécessité et espère un jour pouvoir retrouver sa femme et son fils. En les faisant venir à Londres. Il est d'ailleurs atteint d'un syndrome post-traumatique. Les deux protagonistes vont pourtant mutuellement s'entraider dans cette pizzeria, décrite comme une sorte de refuge où chaque personne peut trouver de l'aide, l'hospitalité et surtout un lieu de témoignage de son histoire et de ses fêlures. Chaque chapitre donne d'ailleurs la parole, tour à tour, à un personnage différent. Et euh, au-delà du temps, il partage donc les, les questions, les épreuves, mais surtout l'espoir d'une vie de bonheur. Et c'est ici que la Loignie explore une nouvelle facette du multiculturalisme londonien. Donc elle évoque les préjudices, les pressions financières, la solitude vécue par ces esselés, tentant de surpasser donc leurs difficultés et l'environnement parfois hostile dans lequel ils tentent de survivre. Elle pose des questions comme celle de comment faire preuve aujourd'hui de compassion en ce monde. Et pour construire son roman, elle s'est inspirée de faits réels et de témoignages de réfugiés, d'avocats, de personnes ayant vécu la torture. Et d'ailleurs, son roman fait écho directement à un événement qui est intitulé Refugees Week, ou Semaine en faveur des réfugiés, qui a lieu le 20 juin de chaque année dans le monde et au Royaume-Uni, instauré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui lutte pour sauvegarder les droits, la protection et le bien-être des millions de réfugiés à travers le monde. Et c'est lors de cette semaine où on célèbre au Royaume-Uni la contribution des personnes réfugiées à leur société d'accueil. Et c'est euh, en effet l'auteur, euh, Nikita Lalwani, euh, né au Rajasthan et élevée à Cardiff, qui est une femme engagée et qui en 2008 d'ailleurs avait obtenu le prix Desmond Elliott et avait reversé intégralement son prix à une œuvre de charité en faveur des libertés et des droits humains au Royaume-Uni. Et donc ce roman, c'est vraiment une ode à la fraternité et euh, qui a une fin des plus optimistes. Et je précise également que ce roman sera d'ailleurs prochainement adapté au cinéma. Donc je vais passer la, la parole à ma collègue Anne. Merci beaucoup, Amy. Et maintenant, nous allons écouter Camille. On est assez raccord en fait sur euh, notre sélection. Enfin, il y a un même euh, euh, intérêt humain, je pense, dans les bouquins qu'on a choisis. Moi, je vais vous parler un petit peu de L'eau rouge de Yuri Pavicic, qui est paru aux éditions Agulo, qui fête cette année euh, leur cinquième anniversaire et dont je salue euh, le travail qu'on suit euh, avec euh, beaucoup d'intérêt à la librairie, puisque euh, depuis cinq ans, ils ont vraiment construit un catalogue de. Principalement d'auteurs étrangers, mais également d'auteurs français, avec Frédéric Paulin. Et ils ont donc construit un catalogue extrêmement cohérent et vraiment ancré dans l'époque, avec un catalogue donc qui explore par la littérature des sujets qui nous concernent tous, de près ou de loin. Et donc ce bouquin, ce livre, le rouge, c'est une toute première traduction d'un auteur croate qui est né en 1965 dans un pays qui s'appelait la Yougoslavie. On ne s'en rend pas du tout compte euh, vu de France parce qu'on peut difficilement s'imaginer ce que ça fait de naître dans un pays et de poursuivre sa vie dans un autre sans avoir pour autant euh, changé d'endroit. Euh, et ce livre explore ça. Donc euh, la Yougoslavie, on est en Yougoslavie en 1989. On est à Split dans une ville d'Almatte au bord de la mer qui est par ailleurs magnifique et dont on retrouve l'ambiance euh, de façon très forte tout au long du livre. On est à Split, on a cette jeune fille de 17 ans, une famille heureuse et normale, et la jeune fille part pour une soirée au bord de la mer avec des amis, enfin c'est une fête du village, elle part et elle ne reviendra jamais. Euh, elle ne reviendra jamais et au moment où ça se passe, euh, le pays dans lequel elle est née et dans lequel sa famille est née euh, ne reviendra jamais non plus. Euh, comme le pays est en train de se déliter, en train de rentrer dans une guerre civile, euh, la di disparition d'une jeune fille sans histoire euh, ne fait justement pas d'histoire et l'enquête va être très rapidement abandonnée. Et c'est l'histoire au cours de 20 ans. C'est très curieux parce que c'est vraiment un roman policier, mais c'est un roman policier au long cours, avec une tension qui vraiment va durer sur 20 ans et qui, euh, qui raconte très bien finalement comment, euh, comment l'histoire peut forger les destins euh, individuels. Voilà, c'est vraiment un livre très fort, ça se lâche pas. On, voilà, on commence, on ne le pose pas avant d'avoir terminé. Et puis après, on a assez envie de voyager et d'aller voir ce qui se passe à Split aujourd'hui. Voilà, donc euh, l'eau rouge chez Agulo de Jurica Pavicic. Merci beaucoup, nous allons très vite l'accueillir à, la euh, à la bibliothèque. Okay. <laughs> Maintenant, je vais présenter la vie ordinaire d'Adèle Van Ries. Adèle Van Ries, elle est philosophe et c'est la productrice et animatrice de l'émission Les Chemins de la philosophie sur France Culture qu'on peut entendre le matin. Et elle anime aussi l'émission Dardar, après aujourd'hui Oulala à la télévision. Alors, c'est ni un essai ni un roman, mais c'est un beau mélange de tout ça. C'est composé de moments de vie et de morceaux de pensée. C'est un récit personnel et une réflexion philosophique. C'est un livre tout sauf ordinaire et qui donne à penser. Elle aborde deux thèmes rarement exploités en philosophie. L'ordinaire et l'expérience de la grossesse et de l'accouchement. Au fur et à mesure de la lecture, on comprend le lien entre les deux et c'est une subtile combinaison. Alors, quelle distinction peut-on faire entre l'ordinaire, la banalité et le quotidien Et pourquoi cherche-t-on à fuir l'ordinaire Bien sûr, l'auteur tente de définir le terme ordinaire, mais tout en ancrant son récit dans son expérience quotidienne. Et elle se débat avec l'ordinaire de son existence pour ne plus se sentir à côté de ce qu'elle vit. Et elle nous parle des choses de la vie, la naissance, l'amour, la mort, et avec une quête de sens afin de comprendre comment s'épanouir en vivant dans l'ordinaire. Et elle nous partage ses doutes, ses peurs. C'est souvent intime et profondément touchant. Et c'est d'autant plus empirique qu'elle écrit ce livre au moment euh, juste avant d'accoucher. Euh, et quoi de plus répandu et d'universel qu'une femme enceinte Mais pourtant, chaque grossesse, chaque personne et chaque famille est unique et singulière. Le paradoxe, c'est que nous tentons d'échapper à l'ordinaire en nous abreuvant de moments extraordinaires à nos yeux, mais qui sont au final très ordinaire à l'échelle de l'humanité. Elle conduit ainsi une, une analyse très passionnante sur la grossesse. Et je cite juste une phrase qu'on trouve page 11, On va se libérer l'un de l'autre et de cette distance entre nos deux corps naîtra notre rencontre. Elle met aussi en avant les philosophes qui l'ont inspirée et elle donne envie de se plonger dans les essais de Valdo Emerson, de Clément Rosset notamment. Ainsi le lecteur chemine dans l'ordinaire mais il se rend compte grâce à la philosophie de l'extraordinaire qui remplit l'ordinaire. Euh, elle pose un nouveau regard sur l'habituel et elle nous invite à apprendre à réenchanter notre quotidien. C'est particulièrement pertinent en regard des confinements qu'on a vécu. C'est des épreuves qui nous ont permis d'estimer le prix de cette vie ordinaire. Comme nous étions privés d'une bonne partie de nos habitudes et de nos libertés, elles euh, nous ont manqué. Donc Adèle Vondriss nous pousse à nous questionner sur nos capacités à réapprécier à leur juste valeur les petits bonheurs de l'existence. C'est un retour sur les choses simples, vraies, authentiques. Et c'est comme une sagesse. C'est un livre riche et captivant qu'on dévore et qu'on apprécie pour sa justesse. On va faire une petite pause musicale avec Fortunate Sound de Quiddance Clearwater Revival. C'est un groupe qui viendra à Compiègne pour les rendez-vous de septembre, avec aussi Cockrobin, Rosedale et Black Bald. Ce groupe de rock américain aux influences country a marqué de son empreinte l'histoire du rock avec des succès planétaires, dont celui-ci, Fortunate Sound, que l'on peut entendre d'ailleurs dans les films Forrest Gump, Les petits mouchoirs, Apocalypse Now, The Hard Card. 4. <laughs> Écoutons. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Tout de suite, on écoute Camille. Oui, alors euh, le livre dont je vais parler à l'instant correspond très bien au livre dont tu as parlé avant, La vie ordinaire, euh, puisqu'il s'agit de Hamnet de Maggie O'Farrell. Et il parle d'une vie ordinaire, il parle de toutes petites choses de la vie, il parle d'une femme qui est peut-être une sorcière, en tout cas qui est une femme vraiment intuitive. Qui connaît la nature, qui connaît les plantes, qui sait écouter ses intuitions euh, et qui sait écouter la, un endroit dans la main des gens qu'elle sait saisir et entendre les personnes. Euh, cette femme, elle est mariée à un homme qui est le fils d'un gantier, euh, un gantier un peu dévoyé, qui a trempé probablement dans des salles de trafics et qui, euh, enfin, qui est euh, déchu socialement et qui en souffre beaucoup et qui reporte sa haine sur son fils aîné notamment, qui va tomber amoureux de cette femme, qui va l'engrosser euh, et qui donc fort heureusement va être euh, obligé euh, de l'épouser. C'est la vie de Hamnet, euh, qui est leur fils, qui a une sœur jumelle, Judith. Euh, C'est aussi la mort de l'un d'entre eux. Euh, je peux dévoiler le suspense tout de suite puisqu'elle le dit dès le départ. C'est la mort d'hamlet. C'est la vie de cette famille avec foultitude de détails, de petites choses, avec une écriture qui vous campe immédiatement euh, dans leur vie. Euh, on est à Stratford, euh, dans la ville de Stratford, en 1580. Euh, et bien entendu, je n'ai jamais été à Stratford en 1580, sauf que, oui, j'ai été parce que Maggie O'Farrell m'a amenée là-bas. Et m'a procuré une émotion comme j'en ressens rarement. C'est rare les livres qui ont une histoire euh, extrêmement complexe, extrêmement riche et pourtant extrêmement simple, évidente, et qui vous touche euh, aussi fort. Euh, voilà, je vous le recommande vraiment. On me demande beaucoup en ce moment à la librairie des livres euh, légers, distrayants, euh, qui vous font rire, ce que je comprends euh, parfaitement. Euh, mais parfois, on a besoin de livres pour euh, pour sentir la force de la vie euh, et pleurer euh, de sa beauté et de sa dureté. Et c'est un livre qui fait ça. Voilà. C'est Amnette de Maggie O'Farrell aux éditions Bellefond. Voilà. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Euh, moi, je vais vous parler euh, donc euh, de The Return, dont donc le titre en français, c'est Retrouvailles. De Nicolas Sparks. Et c'est euh, l'histoire de Trevor, donc, qui est un jeune médecin militaire gravement blessé en Afghanistan et qui n'avait jamais eu l'intention de retourner donc vivre à New Bern, donc, la ville de son enfance. Mais lorsque son grand-père décède d'une façon assez étrange, euh, et aussi étrange que soudaine d'ailleurs, il n'a d'autre choix que de euh, retrouver la vieille maison dont il a hérité. Donc à peine installé, il rencontre Nathalie. La shérif adjointe du comté qui ne le laisse pas indifférent. Mais Nathalie reste désespérément distante et semble même lui cacher quelque chose. Donc elle n'est pas la seule, car Trevor a également fait la connaissance de Cali, une adolescente qui semble en savoir plus sur les circonstances de la mort de son aïeul que ce qu'elle veut bien dire. Et euh, donc Trevor, il s'improvise enquêteur pour tenter de lever le voile sur les différents secrets. Et il va renouer avec une vie simple et découvrir le vrai sens du mot amour. C'est pourquoi en fait ce roman entremêle avec beaucoup de, de finesse tout ce qui évoque la notion de retrouvailles, donc retrouvailles avec un lieu, avec le temps, avec l'amour, avec soi-même, avec nos proches et avec la vie tout simplement. Et donc on nous, avec une vie centrée sur les valeurs vitales et nécessaires au bonheur de chacun pour se sentir enfin plus vivant. Et c'est une magnifique histoire sur la vie. C'est des tours imprévisibles que je vous conseille, euh, surtout également si vous êtes de celles et ceux qui ont apprécié l'adaptation cinématographique euh, d'un des romans de Nicolas Sparks, intitulé euh, N'oublie jamais, donc réalisé par Nick Casavetes, avec Ryan Goslin et Rachel McAdam. Et pour résumer, comme le disait à juste titre, euh, Louis-Sébastien Mercier, euh, écrivain dans son ouvrage Tableau de Paris en 1782, les retrouvailles, c'est l'action de retrouver ce qui était perdu. Mm -hmm. Donc je, je mm -hmm. faire... Alors moi je vais changer complètement de ton avec Les Mafieuses de Pascal Dietrich. Si vous aimez histoire, les histoires de mafia, je vous recommande ce roman policier que j'appellerais plutôt Comédie Noire. Hum, il apporte un vent de fraîcheur par rapport aux traditionnelles histoires de mafia. On est à Grenoble d'abord et ça met, il met au premier plan des personnages qui d'habitude sont au second plan, les femmes et les enfants de mafieux. On pénètre dans les arcanes d'une famille mafieuse grenobloise dont le patriarche est plongé dans le coma. Or la famille, dans ce milieu, plus que tout, c'est sacré, et par-dessus tout, le code d'honneur est primordial. Et parce que sa femme Michel lui a autrefois été infidèle, euh, Léon a mis un contrat sur sa tête pour des retrouvailles rapides dans l'au-delà. Et euh, il lui explique d'ailleurs élégamment dans une lettre, alors qu'elle se recueille à son chevet, je suis persuadé que nous nous verrons. Quelque part au paradis. J'ai hâte d'être à tes côtés pour l'éternité. Je t'aime, Léone. P.S. La personne que j'ai embauchée m'a assuré que tu ne souffrirais pas. On va donc être dans une course poursuite contre la montre pour identifier le tueur avant qu'il ne passe à l'acte. Et c'est avec un suspense aux accents féministes. Michel va être aidé par ses deux filles, Dina. Dans les affres d'une rupture amoureuse, et elle a elle même pris le contre-pied des activités familiales en s'engageant dans l'humanitaire. Mais elle va aller de désillusion en désillusion. Et l'autre fille, c'est Alicia, une femme déterminée et sans scrupules qui a repris le flambeau familial et s'imagine sans problème devenir le chef du cartel local. Elle a un tas d'idées pour renouveler les, le business de son père, et notamment, elle a l'astuce, en tant que pharmacienne, de dissimuler la drogue dans des tubes d'homéopathie. Dans les mafieuses, les femmes bousculent les codes de ce milieu machiste et elles sont bien plus malines que les hommes qui se conduisent, qui se conduisent en général comme des bourrins. Certes, c'est un peu caricatural, mais c'est pour notre plus grand plaisir, car c'est un livre qui ne se prend pas au sérieux du tout et on a vraiment un mélange parfait et détonnant de sombre et d'humour et d'ironie et d'allégresse. C'est un court roman qui va à l'essentiel, c'est condensé et énergique. Euh, elle rappelle d'ailleurs d'autres euh, comédies policières récentes comme Mamie Luger de Benoît Philippon ou demain c'est loin de Jacques Schwartzmann, mais c'est encore mieux écrit, je trouve et pour vous donner un aperçu de la teneur des propos, je vous cite cet extrait au fond, l'humanitaire et la mafia constituent deux réponses opposées à un même problème. Ces organisations se développaient quand c'était le chaos, que les gens étaient livrés à eux mêmes et que l'État ne faisait pas son boulot. La la mafia offrait un statut et des ressources à ceux qui ne trouvaient pas de place dans l'économie légale. Quant aux ONG, elles aidaient à peu près les mêmes à survivre sans jamais inquiéter les gouvernements véreux ni s'attaquer aux véritables injustices. Pire, elles, elles rattrapaient les dégâts et permettaient au système de perdurer. C'est pour cela qu'on ne viendrait jamais à bout de la mafia. Même s'ils assassinaient, détournaient les fonds publics et pillaient les ressources naturelles, ces gens arriveraient à se persuader qu'ils faisaient œuvre de charité publique. Comme vous le voyez, c'est piquant et enlevé et vraiment jubilatoire et savoureux. Oui, il est vraiment agréable à lire. Euh, on va pouvoir parler de la trilogie islandaise de John Kalman Stephenson. Euh, alors, la trilogie islandaise. Donc, il y a trois titres. On commence avec Entre ciel et terre. Le second, c'est Le cœur de l'homme. Non, je vous dis des bêtises. On commence alors entre ciel et terre. Euh, le second étant la tristesse des gens, anges et le troisième, le cœur de l'homme. Euh, alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout euh, un livre qui ne se prend pas au sérieux. Euh, c'est euh, de la littérature extrêmement dense et je ne suis pas sûre qu'à un autre moment, euh, j'aurais pu me plonger dedans. Euh, enfin, bref, c'est un livre dont je recommande la lecture si vous avez du temps devant vous, des vacances et euh, de préférence dans un endroit assez sauvage, euh, puisque toute la trilogie se passe en Islande. Au milieu du 19e siècle, euh, dans un village de pêcheurs. Donc, on va suivre euh, un personnage qui, tout au long de la trilogie, s'appelle Le Gamin euh, et qui est euh, moussaillon sur une barque de pêcheurs. Tout au long de la trilogie, il fait froid, euh, il vente, il pleut, euh, on se gèle tout le long avec eux, ils sont trempés dans la mer. Euh, la nature ardue, violente, le vent n'arrête pas de souffler, le vent rend fou, euh, et les hommes vivent dans ce milieu euh, extrêmement euh, hostile. Euh, et pourtant, euh, et pourtant, ils vivent, et pourtant, ils sont des hommes. Euh, il y a Bardour, qui est le protecteur du gamin au début de la trilogie, euh, qui, euh, en secret, euh, lit de la poésie. Le gamin est fasciné par... Euh, son maître Bardo, qui est le seul euh, vivant euh, dans sa vie, puisque le gamin, on l'apprendra euh, au fil du livre, a perdu euh, toute sa famille dans des circonstances tragiques. Et euh, il est absolument seul, si ce n'est pour Bardo, qui lui, qui lui lit de la poésie au début du livre avant de euh, partir en expédition euh, pêcher la morue, euh, qui est l'unique euh, source de... Ressources, l'unique ressource pour les pêcheurs de ce village. Donc la trilogie s'ouvre comme ça. Bardour va mourir dans des circonstances absolument tragiques et laisser ce gamin seul, dépourvu, démuni et obligé finalement de s'élancer tout seul dans la vie. Il va trouver des protecteurs, des gens qui vont lui ouvrir leurs portes sur son chemin. Et surtout, il va trouver. Les livres, parce que le gamin, dans tout ce monde euh, affreux où il a perdu toute sa famille, où, euh, où il vente sans cesse, où il pleut constamment, où on a tout le temps froid et on peut en mourir d'ailleurs, euh, ce gamin pense euh, au début de la trilogie que les livres rendent heureux, que si on a des livres dans sa vie, on est forcément heureux. Il va avoir la chance de rencontrer des gens qui ont une bibliothèque considérable, 400 livres, rendez-vous compte, en Islande en 1800 et quelques. Euh, et il va aussi se rendre compte que eh bien, la lecture de ces livres ne rend pas forcément ces gens heureux. Et il va pas forcément le comprendre, mais il va essayer, de, lui, d'être heureux en lisant des livres et en restant un un homme d'action, je ne sais pas trop comment le dire, puisque il va continuer à vivre sa vie, se confronter à la nature pour, par exemple, accompagner un postier le long des fjords. Euh, c'est vraiment, c'est un livre très difficile à décrire. On parle d'amour, on parle de nature, on parle de vie et de mort. Donc c'est extrêmement, je ne sais pas. C'est extrêmement intense euh, c'est violent euh, c'est parfois évidemment drôle euh, et on rencontre des personnages absolument attachants euh, tout au long de, de ce voyage voilà donc c'est euh, je recommence dans l'ordre dans le bon ordre cette, cette fois ci les titres entre ciel et terre tout d'abord pour qui suit avec la tristesse des anges et qui se termine avec le cœur de l'homme. Tout cela est disponible en format poche chez Folio, donc ça prendra pas trop de place dans votre valise. Ça donne envie de le lire aussi. Pas trop de place dans votre valise, mais beaucoup de place dans votre cœur et votre tête et longtemps après d'ailleurs. Juste pour terminer. Génial. Mmh. Mmh. Alors je voulais vous parler d'une un, dernière œuvre. C'est un film, Adam, de Mariam. Il est sorti au mois de février 2020, donc peu avant le confinement, et c'est un très beau film, premier film, qui méritait une audience euh, plus importante. Il est temps de se rattraper avec le DVD que nous avons à la bibliothèque. Pour l'histoire, donc Samia est sans logis, elle est livrée à elle-même alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Elle sonne de porte en porte dans la médina de Casablanca à la recherche d'un travail, mais les portes se referment. Une jeune fille qui a le malheur de tomber enceinte sans avoir d'époux est rejetée par la société. Personne ne la recueille sauf Abla, qui est Refermée sur elle-même depuis la mort de son mari et qui vit seule avec sa fille de 8 ans. C'est une femme résignée et toute dévouée à son commerce de pâtisserie marocaine. Elle accepte donc d'offrir un lit à Samia pour une nuit, puis plusieurs nuits, quand Samia se révèle être une excellente cuisinière et lui apporte contre toute attente une aide précieuse dans sa pâtisserie de. de, de Confection des gâteaux marocains. Et grâce notamment à la fille d'Abla, Vardar, qui est une fillette lumineuse et magnifique, les deux femmes vont peu à peu tisser une relation particulière. Euh, elles vont s'apprivoiser, permettre à l'autre, chacune à sa manière, de se révéler, et le quotidien d'Abla va s'égayer. Le cœur du film est constitué par ce lien progressif noué entre les, les deux femmes. Euh, L'une porte le, la dureté et le deuil et l'autre la douceur et la vie. Mais tandis que la, cette dernière se prépare à un deuil différent, celui de l'abandon, L'autre naît en retrouvant des sensations et des émotions. Derrière une apparente simplicité, c'est toute la complexité d'une culture, le poids des traditions qui nous sont suggérées. La réalisatrice, elle est aussi journaliste, scénariste et actrice. C'est la compagne du réalisateur Nabil Ayouch avec qui elle a collaboré pour Much Love et Razia. Donc c'est deux œuvres qui s'intéressaient déjà à la condition féminine au Maroc. Euh, elle proteste ici contre le sort réservé aux femmes. Au Maroc, qui sont privés de leurs droits fondamentaux, comme celui de disposer de leur corps sous couvert de bienséances sociales et religieuses. Elle s'inspire ici d'un épisode de sa jeunesse, lorsque ses parents ont accueilli chez eux une jeune femme enceinte et célibataire. Mais bien au-delà de la dénonciation, Mariam Tozani signe un film délicat et elle dresse un superbe portrait de femme, en magnifiant le sentiment puissant d'être mère. Le scénario est fin et subtil, et remarquable de sobriété et de sensibilité. Et le récit fait le pari de la lenteur et des silences, avec une économie de moyens qui finit peu à peu par bouleverser. La caméra filme au plus près les visages, elle prend le temps d'observer les gestes et elle décrit visuellement avec des, des touches de couleurs chaudes, ocre. C'est des clairs-obscurs qui rappellent les tableaux de Delatour ou l'orientalisme de Delacroix. De fait, c'est une atmosphère éminemment picturale et on est frappé par la tonalité intimiste et la beauté qui se dégage de ce film. Mariam Touzani filme ses héroïnes avec une grande sensualité, voire même de l'érotisme, et qui les rend absolument sublimes. Nous arrivons au terme de cette émission. Euh, donc nous allons vous parler des événements à venir. Les 28 et 29 mai, euh, donc ce week-end, le printemps des créateurs avec un concert de Moïse dès 19h dans le cloître. Ensuite, les 12 et 13 juin, les Feel Good Books à l'initiative de Marie-Pierre Degage et de son association Les Picantines qui nous proposent un week-end inédit de bibliothérapie, de musique et de sport. Et Camille Excuse-moi, je te corrige, mmh. mais le salon s'appelle Books Feel Good. Books salon. Feel good. Ouais. ouais. <laughs> C'est la même chose, Pause, mais. Oui. Donc au programme du Books Feel Good Salon, des dédicaces d'auteurs de romans, de livres de développement personnel, des tables rondes, de la sophrologie, du yoga, un running littéraire, des concerts, tout ça, tout ça dans le cloître. Et le salon littéraire, donc Books Feel Good, réunira pas moins de 40 auteurs, dont, dont Karen Ponte, Zoé Brisby, Laure Manel, Claire Norton, euh, Laurence Perrin. Un événement inédit à Compiègne qui promet de nous faire le plus grand bien. Ensuite, le, on a aussi toujours à la bibliothèque l'exposition sur la BD et les mangas et une journée d'études le 19 juin sur les rencontres et hybridations entre bandes dessinées asiatiques et bande dessinée européennes. Avec la venue des auteurs de bandes dessinées Vanida, Nicolas Itori et Patricia Lifung et de deux spécialistes des relations entre mangas et bande dessinées Hervé Briand, éditeur et Maël Manou. Tout ça de 14h à 18h mais vous trouverez le programme complet de cette journée sur notre site internet. Les prochaines Date pour nos rendez-vous culture, le vendredi 18 juin à 18h à la radio et le 25 juin en présentiel à 18h à la Bibliothèque Saint-Corneille. En 2021, on fête les 100 ans de la radio, on fête les 40 ans de la libération des ondes et le lancement de la radio numérique DAB+ partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicales, généralistes, d'information. Émissions spéciales, ateliers, journées portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain.